maintenant, 95.2. Voilà, le conflit qui actuellement existe en Israël, après les élections, vous avez entendu sans aucun doute, même Benjamin Netanyahu, avant les élections, il parlait d'État juif, Israël, État juif, loi juive, etc. Mais après cette élection, vous savez qu'encore extrême droite israélienne a gagné, ce qui est le mode actuellement dans le monde entier. Et là, c'est un juge qui gère ce mouvement, et il a annoncé comme quoi Israël est un État juif, et il faut qu'on applique les lois juives. Alors, de l'autre côté, maintenant, même Benjamin Netanyahu, même son ex-ministre, M. Lieberman, qui à l'époque, on disait, lui, il était très intégriste, M. Lieberman, tous les deux, ils disent qu'ils sont laïcs et ils sont contre les lois de Torah, contre les lois de Knesset. Même tout à l'heure, M. Lieberman, j'ai entendu en disant qu'il a bien précisé comme quoi nous, on ne va pas retourner à l'époque de roi David, ni à l'époque de Salomé, pour faire des lois de Torah de l'époque, tatati, tatata, c'est-à-dire un conflit assez énorme entre les laïcs, voilà, on peut dire les laïcs, et même les gens qui avant peut-être on les considérait comme extrêmes, mais actuellement ils parlent de la laïcité face à ce mouvement, le nouveau mouvement qui vient de monter. Vous savez que la personne était même ministre de la justice en Israël, il a beaucoup de succès. Voilà, deux camps, deux pensées. En Israël, les deux pensées, c'est des juifs, mais comme vous pouvez constater, il y en a un côté qui pense que les lois doivent être laïques, l'autre côté, il pense impliquer les lois juives. Qu'en pensez-vous, mes chers amis ?